Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne belge Activity. On est parti pour une nouvelle vidéo sur Saint-Cyr, la légende de la justice. Donc hier, je vous ai fait, j'ai mis en langue community quel terrorisme j'allais faire. Quel type de terrorisme, ce que j'allais faire. Voilà, je vais pas faire une terrorisme sur les personnages. Pour moi, faire des théories sur le personnage, il n'y a aucun intérêt. Mais voilà. Ce que je vais faire, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les teams, entre guillemets. Donc, les équipes. On va se concentrer sur les équipes. Donc, vous devez savoir dans le jeu qu'une petite astuce, hein. Par rapport au team, lorsque vous construisez une team, sachez que le leader a une importance. Le leader a une importance. Imaginons que c'est lui le leader. Sauf que c'est celui qui le leader, c'est celui qui va être posé en premier, je pense. Pour le leader, imaginons que c'est lui le leader. Sachez que le leader a quand même un rôle important. Si malheureusement votre leader se fait massacrer, si voilà, se fait tuer, c'est que votre team va se faire massacrer. C'est comme si votre team avait les mêmes capacités et les mêmes défauts que votre leader. Si votre leader a une mauvaise défense, c'est comme si tout votre team aurait une mauvaise défense. Donc voilà. C'est que le leader a quand même une importance dans le jeu. Donc n'importe qui. Est-ce que voilà, donc le rôle du leader aura quand même une importance. Est-ce que tout le monde peut être un leader? Voilà, je pense pas. Voilà, donc pour moi le leader peut être important. Donc forcément, on va se concentrer sur quel leader peut être très intéressant. Moi, je pense aux défenseurs, forcément. En termes de leader, pour moi, c'est intéressant, les défenseurs. Peut-être aussi les attaquants, en termes de leader. Pour moi, ils ont vraiment un rôle intéressant, tout ce qui est attaquant. Après le reste, ceci, pour moi, c'est moins intéressant en termes de leader. Hein, c'est certain, ça peut être très intéressant. Je dirais, voilà, mon leader, pas intéressant. Les assassins, pas spécialement. Pas très intéressant en termes d'assassin, en termes de leader. Et les soutiens. Tu restes à des banques. En termes de soutien, on soutient, ça dépend. Voilà. Donc, en leader, pour moi, c'est défenseur, attaquant, peut-être soutien. Donc, je sais que votre leader peut avoir une importance. Ça peut influencer votre team. Donc, c'est, voilà. Si votre leader se fait tuer, il y a des chances que tout votre team se fasse tuer. C'est comme s'ils avaient la même capacité que votre leader. Donc, aussi, c'est une mauvaise défense, tout votre team aura quand même une mauvaise défense. Même si certains ont des bonnes défenses, en fait. Voilà. Donc, je dis, donc le leader peut avoir une influence sur le jeu. On va laisser comme ça, comme c'était. Voilà. Voilà. Donc, je sais que le leader peut avoir une importance. Donc forcément aussi, on va faire des espèces de tier list spécial team, spécial équipe. Forcément, je vais pas faire 50 milliards de teams, hein, on va se concentrer sur peut-être ce que tout le monde pense, hein, que ce soit les meilleurs. Je sais que je suis le seul à les critiquer, hein, à l'heure actuelle. C'est parce que je les connais bien, ces personnages-là. C'est parce que je les connais bien. C'est pour ça que je me permets de les critiquer, ces personnages, parce que je les connais bien. Je connais leurs qualités. C'est bien de connaître les qualités d'un personnage. Il faut quand même aussi connaître les défauts d'un personnage. On est tous d'accord. Voilà, c'est bien les qualités. Mais les défauts, il faut aussi les connaître. Quand on connaît pas trop les défauts des personnages, c'est compliqué de savoir. Je sais que je les ai pas mal critiqués, mais en fait, ils sont critiquables, en fait, ces personnages-là.
Croyez-moi, elles sont fortes, mais elles sont aussi peuvent être très faibles en fait. C'est voilà, c'est je sais que je suis le seul à l'heure actuelle à critiquer ces personnages, mais c'est parce qu'elles sont faciles à sont faciles quand même à les massacrer quoi. Donc forcément, on va se concentrer sur les teams. Donc j'ai quand même la version globale à côté de moi pour ce qui est traduction. Donc on va se concentrer sur la tier list. Donc la tier list a été faite par un youtubeur. C'est par Queen de Queen. Moi voilà, ça c'est comme moi. Quel type de tier list je vais faire? Moi c'est pas sur les personnages. Moi c'est plus dans les teams. Dans les teams, dans le plus ceux qui vont quand même se lier aux personnages. C'est plus dans ce style-là. Je trouve que faire des tier list que sur des personnages, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Parce que si on devait prendre individuellement tous les personnages, la plupart seraient tous mauvais, en fait. Hein. Et voilà, moi, je vais faire une espèce de tier list, peut-être par type, par les teams, et aussi peut-être les ennemis potentiels. Donc si on va parler d'un personnage forcément que tout le monde adore facilement, va parler de fier Chaka. Voilà, Chaka, je sais que c'est quand même pas mal, un peu défoncé, mais je dis en même temps, ils sont très forts, hein, ils sont très forts, mais ils ont aussi leurs faiblesses. Voilà, ils ont aussi leurs faiblesses. Donc lui en leader, c'est pas intéressant. Voilà, en termes de leader, il n'est pas intéressant. Il a une mauvaise défense. Faut accepter que voilà, il a une mauvaise défense. Donc lui en leader, c'est pas intéressant. Donc on parle de chacun. Donc vous devez savoir lorsque vous mettez un team, un personnage de lumière en avant. Si vous faites une team haut, par exemple, si je vais prendre un exemple, prendre lui, c'est un type lumière. En fait, si vous faites une team 100% haut, savoir que la lumière va prendre le même élément. Donc, si vous faites une team haut, par exemple, je prends cela, par exemple, savoir que le personnage en lumière va prendre le même élément que les autres. Donc, il va prendre le type haut. Donc, il va se concentrer sur chaque type de chaque groupe. Donc, le lumière va prendre en compte tout ce qui est leader. Après, il y a les types multicolores. Donc, chaque. Tac. Donc, les lumières vont prendre en compte tous les éléments. Après, si vous faites une team 100%. Multicolore, il y aura un autre leader, un autre lead, hop, voilà. Donc il y aura, ça c'est un autre truc, ça c'est l'équilibre avec tous les éléments, voilà. Donc chaque élément aura des conséquences sur le jeu, etc. Donc il va se concentrer 7% sur les types hauts qui peut être intéressant avec chacun. Donc en fait en leader dans les teams hauts, c'est passé à tout le monde. Type haut, ça fait qu'on est au début du jeu forcément. Deathmask, Athena. Oh, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose hein, pour l'instant. Un type O. En lead. Peut-être la marine. En lead.
Deux, la marine. Dirais la marine quand même en termes de leader. Ok, en lead. Dans les autres Aphrodite. Forcément, je pense à Athéna. Une masque. Mood forcément pour la défense. Le truc c'est que le truc en vrai il faut quand même le voir plus sur le terrain, parce que vous savez que comme ça faire des dips comme ça un peu à l'arrache en type haut, je dirais que ça c'est un minimum. Donc il faut que le lead, c'est que le leader va avoir quand même un rôle important pour justement l'attaque et la défense. Le but c'est justement rendre la team, notre team, un peu plus défensif de manière générale en fait. Donc Marine en lead, c'est pas déconnant. Bon, c'est pas spécialement déconnant la Marine en lead. Ouais. Cela dit, donc le S plus c'est dire la bonne team, et le S moins c'est plus le côté ennemi. Donc les ennemis de Shaka qui pourraient rencontrer. Je dis le problème de Shaka, il est très fort, mais le problème de Shaka, il peut être stun, il peut être gelé, il peut être très pétrifié, mais très facilement. Dès le début du match, en fait, il peut être paralysé. Savoir que chacun, en fait, il y aura quelques secondes où il fera rien. Voilà, il y aura des moments comme ça, le chacun, il fera rien. Donc, à ce moment-là, c'est ça, à ce moment-là, qu'il peut se faire paralyser, geler très facilement. La moindre gel, la moindre stun, il fait rien. Et comme, forcément, il n'a pas une bonne défense, il va se faire manger. Voilà, faut savoir que, voilà, c'est que, il y aura quelques secondes, des fois, il fera rien, le chacun. Donc, il y a plus de temps que ce qui se passe paralysé, stun, il fera geler, etc. Donc, les ennemis potentiels, forcément, je pense à Camus. Camus. Voilà, Camus. Donc, lui, il peut être un potentiel danger pour chacun. Pour le stun, je pense qu'il y a lui. Lui peut peut le stun facilement. Forcément, il y a lui. Il y a lui. Algo qui transforme tous les personnages en pierre. peut pétrifier quand même le chacun. Dis, voilà. Il y aura quand même des secondes, des fois, il ne fera rien le chacun. Donc c'est à ce moment-là qu'il sera invulnérable. En fait. Il y aura des moments comme ça, il va pas faire grand-chose. Et des fois, c'est à ce moment-là qu'il sera invulnérable. Il n'est pas invincible, hein, le Shaka. Il n'y a pas de... Le truc avec les cinq sens. Bon, après, il faut bien l'avoir monté, hein, pour que ça... beaucoup plus intéressant. Là, il offre des boucliers, mais voilà. Voilà, donc faut savoir que c'est pour les débuts, en fait, tout dépend vraiment des premières minutes dans le jeu. Si, voilà, en fait, chacun est très intéressant lorsqu'il est joué, on va dire, qu'il fait plusieurs tours, en fait. On va dire comme ça. Quand il est plus longtemps dans le match, il est très intéressant.
Mais faut savoir que au début il sera quand même quand même sera pas un massif. Hein. Pourquoi c'est intéressant quand il dure dans le match que justement avant. Enfin, forcément il faut le jouer pour comprendre hein, ce défaut-là. Il faut le comprendre. Je sais qu'il faut le jouer pour comprendre. On va essayer dans les teams feu, peut-être, pour savoir quoi. Si on fait un élément feu, est-ce que c'est intéressant d'avoir un élément feu? Le Shaka. Forcément, je pense à ces deux-là. À lui, forcément. Faut quand même qu'il y ait une défense, donc forcément, on pense à lui. À lui, donc en lead, forcément à le bien, ça peut être très intéressant. Paf, bon, ça voilà. Donc, forcément, lui va protéger un peu la team. Donc, voilà. Donc, en team rouge, pour l'instant, je connais au début, forcément. Faire des teams évident, c'est pas forcément c'est pas bon, forcément clair. La team feu pour l'instant avec Chaka. Voilà. Après voilà, encore une fois, il y a un début qui sera pas invulnérable. Donc il sera pas non plus. Donc ça c'est quand même pas mal avec Chaka en termes de synchronisation. Après, en team vent, peut-être la team vent, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la top à l'heure actuelle. Sur en team vent, voilà, il n'y a pas un grand monde alors. Ça va arriver au fil du temps, la team. Donc, peut-être la team vent, peut-être pas. Peut-être la team color. Color. Team color, peut-être, donc forcément, Adoko. Peut-être lui en lead quand même. Aldébaran. En team feu pour moi, pour ça lui. Athéna, peut-être. Et voilà, donc. Là, c'est la team multicolore. Après, les autres, voilà. Voilà, donc, ça, c'est typiquement. Pour moi, c'est peut-être des types. Bon, on est au début, forcément, il n'y a pas non plus énormément de personnages. Au fur et à mesure, quand il y aura beaucoup plus de persos, ce sera différent. Mais voilà, je pense. Voilà. Après voilà, encore une fois, c'est le Jokal ne sera pas. Il y aura un début où il sera pas forcément. Il y aura un petit début où justement il ne sera pas immunisé contre rien. C'est après en fait. C'est dans le temps en fait. Donc plus Jokal dure dans le terrain, plus c'est intéressant. Mais si en fait s'il se fait tuer au début du jeu, c'est voilà, c'est là que c'est moins intéressant. Le but c'est forcément rendre. Chacun plus résistant, quand même. Voilà. Pour moi, c'est une team qui peut composer quand même facilement notre cher Chacun. Forcément, il n'y a pas 50 milliards de teams hein, qui va permettre. Voilà, je pense, voilà. En lead, c'est pas intéressant, le Chacun. Et voilà. Et je pense, en multicolore, je pense, comme ça. C'est quand même pas mal. Team vent pour l'instant, pour l'instant, la team vent, il faut attendre un petit peu quand même. Qui est le meilleur d'unité, forcément. Et voilà. En team terre, il faut attendre un petit peu quand même. C'est plus ou moins les teams après, voilà. Ça, c'est plutôt les éléments qui peuvent quand même le contrer, quand même le chacun.
C'est-à-dire que des types comme ça qui vont contrer sûrement le Shaka, il y en aura. Hein, des contre-Shaka, il y en aura dans le jeu. Ouais, je sais pas si d'autres. Peut-être Jamian quand même. Peut potentiellement l'emmerder. Il y a lui aussi. Pour moi, c'était de la team. Peut-être anti-Chaka, peut-être. Je peux potentiellement mettre en danger Chaka. Voilà. Voilà, donc voilà, voici un petit peu le concept. Hein. Ce que je vais faire, en tier list. Je vais faire un screenshot. Donc je ferai des screenshots des tier list. Je mettrai dans l'onglet communauté. Comme ça, mais voilà. Donc peut-être on va faire un petit peu notre chère saga, autour de saga. Encore une fois, saga, c'est pareil. Un très bon personnage. Saga, où es-tu? Voilà, il est là. Donc saga, est-ce que mériterait d'être un leader? Je pense pas non plus. Encore une fois, pareil, hein, comme Shaka. Il est bien, mais défensivement, voilà, sa défense, problème de défense, donc j'ai mis 2 minutes. Donc il a un truc. Lui, il est pas misé contre les. Autant Chaka, il a des trucs intéressants, mais c'est sur le long terme. C'est-à-dire que le saga a moins de trucs intéressants. Donc lui, forcément, le gel, la paralysie, le stun, ça va l'infecter, forcément. Donc lui, ça va l'infecter, donc. Quel groupe peut être intéressant? Peut-être la team feu quand même. La team feu peut être intéressant avec Saga. En lead forcément. En lead je pense à lui quand même. En lead. Peut-être côté lui. En arrière, paf, peut-être China, China, mais... ouais, ce groupe-là peut être intéressant, quand même. Alors, encore une fois, chaque saga a la même chose, à part qu'ici, voilà, il n'y a pas de. Le truc qui est intéressant, qui va le débuffer, etc. Donc il a quand même des chances de se faire paralyser, des chances de se faire geler. Voilà, il y a quand même plus de chances quand même qu'il se fasse infecter par les debuffs. Voilà, contrairement à Tata Chaka, mais. Donc lui aussi, il y aura des moments comme ça sur le terrain. Et il va pas faire grand-chose. Donc il y aura des moments comme ça sur le terrain, il va pas faire grand-chose. Donc, vraiment, il fera rien. Voilà. Après, c'est voilà. Donc, voilà. Après, dans les autres teams, en team haut, en team haut. Peut-être lui, quand même en leader.
Une marine. Forcément. Une masque. Voilà. Pense que ce groupe-là peut être intéressant. Peut-être dans le team Tier, ça peut être intéressant quand même avec Saga. On lit forcément à des barons. Allez, bah on lead avec une. Pour l'instant, on est que début du jeu, donc forcément, on jouera forcément. Pour le joueur, ça peut être intéressant. Peut-être lui, Astérion. En plus. En tant que soutien. Voilà. Voilà, donc, pour moi, c'est plutôt intéressant, cette team-là, avec Saga. Donc c'est pas en lead hein, forcément. En tant que leader. Après en team color. En team color. Pour être intéressant. Ça va être un petit peu la même chose qu'avec chacun. Hein. Forcément en lead. Il sera mu. En lead. En défense à des barons Athéna on crée un vent quand même. Peut-être Camus. Plus ou moins, voilà. Donc forcément pour ces types-là, quand vous devez choisir, mais faut aussi les tester. Acheter les commissions, en fait, les commissions, il y en a plein, en fait. Hein. Mais voilà, c'est surtout que je pense, en termes de lead, Shaka et Saga, c'est pas intéressant. Donc, défensivement, bah, ils se font comme défoncer très facilement. Voilà. Shaka est intéressant au fur et à mesure. Plus ça dure, plus c'est intéressant. C'est surtout au début, quoi. Les premières minutes. Voilà, il peut se faire paralyser, il peut se faire geler dès le début du jeu, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il peut prendre des gros dégâts. Donc voilà, donc voilà, je sais pas si cette vidéo peut potentiellement vous aider. Donc forcément, après les teams, il faut quand même les mélanger, etc. Pour tester un petit peu, en fait. Voilà, pour tester. Avec Milou, avec Shaka, c'est un jour avec Shaka. Quoi bon, hein, vous aurez des occasions de tester Shaka. Vous aurez des occasions de tester Shaka. Quand on aura l'occasion de tester le petit Shaka, on fera des tests un peu plus approfondis. Et je vous dis, hein, je connais très bien le perso, je connais bien ses qualités, mais aussi je connais assez bien ses défauts. C'est pour ça que voilà.
Voilà, ils sont bien, mais voilà, ils sont pas non plus éternels. Donc ça dépendra aussi des teams en face qui va y avoir. Voilà. En fait, en SS, la team SS, il n'y a pas spécialement de vraie team la plus forte. Pour moi, je dis dans le jeu, il n'y a pas forcément les meilleurs des personnages. En fait, il existe une team un peu spéciale, que je vais appeler ça la team chance. La team chance, ça signifie quoi? Même si en face, la team peut être très forte, là, peu importe avec le personnage, je sais que vous pouvez battre n'importe quelle team, même si la puissance en face est beaucoup plus forte. Par exemple, à l'heure actuelle, dans mode histoire, par exemple, je suis en train d'affronter celle-là, en mode histoire. Il y a quand même 1300K. J'arrive quand même à la battre, hein. Donc il y a vraiment que, voilà. En fait, vous allez voir que la puissance, voilà, des fois ça joue pas beaucoup. Des fois, il y a aussi le côté chance, un petit peu. Donc des fois, même si le type en face peut être très forte, là, il n'y a pas forcément de personnage précis. Ça peut dépendre de n'importe quel personnage. Voilà. En SS, pour moi, il n'y a pas de meilleur, de pire personnage. N'importe quel team, n'importe quel personnage peut être un rang SS. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas mauvais. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Voilà. Pour moi, le rang SS, pour moi, c'est un rang. En fait, ça pas trop, ça doit pas trop. Sachez qu'au fil du temps, les tier lists, ça sert à rien. Alors, je vous dis, au fil du temps, les tier lists, ça sert à rien. Hein. Après, ils auront encore des combinaisons avec d'autres personnages, etc. Et encore une fois, si je vais donner un conseil, il n'y aurait pas les chevaliers d'argent. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui les ignorent, les chevaliers d'argent. Les ignorez pas, les chevaliers d'argent. Sachez que sur la version chinoise, ils sont encore très joués, les chevaliers d'argent. Donc, voilà. Si je vais donner un conseil, au moins un petit conseil, ignorez pas les chevaliers d'argent. Voilà. Sachez que sur la version chinoise, c'est encore très joué, les chevaliers d'argent. Enfin, si vous pensez qu'ils sont très, très mauvais, mais croyez-moi, ils peuvent vous sortir de certains mauvais pas. Voilà. Donc c'était une petite vidéo un peu spéciale. Donc on a parlé un petit peu de la team. Donc sachez que votre leader peut avoir une influence très importante. Donc ça peut être très important. Donc savoir si votre leader se fait tuer, le trois quarts de votre team se fait tuer facilement. Donc le leader qui va être mis en avant peut être très important. Et là, voilà. Donc voilà. Pour l'instant j'ai fait des thèmes autour de cela. On verra si je ferai des thèmes sur tel personnage, etc. Moi, j'ai mis plus ou moins ce que je pense, hein, des personnages qui passent avec Saga et Shaka. C'est-à-dire, je ferai des thèmes avec les autres personnages. Pour ça, il faudra suivre la longue communauté. C'est pas forcément que je ferai en vidéo. Peut-être que je ferai en off, des tier list. Des tier list, des teams tier list là, c'est des combinaisons qui pourraient bien se passer entre eux. Peut-être ça voudra avoir l'onglet communauté. Voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo tranquille sur la tier list spéciale team. Voilà, donc j'ai dit ce que je pensais. Voilà, donc j'ai mis cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez ce que vous pensez de cette tier list. C'est qu'il y a un peu spécial, hein. Il n'y a rien à voir avec les terroristes que vous connaissez. Donc le terroriste était créé par un youtubeur, je suppose. Hein. Et voilà. Voilà. Moi je connais assez bien les personnages. Hein, donc la différence que j'ai parmi tous les gens qui jouent, je connais assez bien les personnages. Que ce soit la qualité quand même, mais aussi au niveau des défauts. Voilà. Je vous mettrai la tier list dans la description si vous voulez faire votre propre tier list. Voilà.
aimez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et suivez l'onglet si vous voulez voir, j'essaie de créer des tier list, des teams plus ou moins qui peuvent aller ensemble, etc. Voilà, prenez bien soin de vous et à la prochaine.